Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est encore moi, Olga Abadi, votre coach business. Alors, quand tu t'assois, tu te réveilles le matin, tu recommandes ta journée au Seigneur. Après, tu rentres chez toi, tu pars te coucher ou tu pars t'asseoir derrière la télé. Canal Plus, Nollywood, Passion TV et... Oui, là, on appelle encore la télévision, là, comment là. Et les gens, ils me regardaient ça comme ça. Et Novelas. Tu as pipia. Télé Novelas. Mais tu es là, Seigneur. Seigneur, tu connais ma situation. Papa, tu vois ma situation ici, là. Mais tu es là, derrière la télé. Pia. Pia. Le temps que tu perds devant la télévision, ce temps-là, tu peux le prendre pour lire. Si tu n'aimes pas la lecture, comme nous, Africains, là, la lecture et nous, non. C'est comme l'eau et le feu. Mais. Tu caches l'argent dans un livre. Car l'Africain ne va pas voir l'argent là. Il va faire comment pour arriver là-bas au milieu pour savoir qu'il y a un billet de colloquer caché ou il y a un billet de... Non. Ayons la niaque. Ayons la niaque. Ayons la possibilité de nous dire... En fait, je vais vous dire que vous avez le droit de rêver. Aujourd'hui même, vous avez plusieurs raisons de rêver. Parce que Internet que vous voyez ici est venu nous donner une raison de rêver. Alors, arrête de te lever le matin. Seigneur, prends contrôle de ma journée. Papa, tu connais ma situation. Papa, il ne connaît même pas ce que je vais manger aujourd'hui. Oh. Tu as la connexion Internet, WhatsApp, Facebook, Viber, TikTok. Tu passes tout le temps à regarder les vidéos sur YouTube. Ok, d'accord. En longueur de journée, tu likes les posts sur Facebook. Tu es sur Corel Congo ça. Tu as déjà arrêté tous les congossants de la journée. Tu as liké. Quelqu'un, ton ami a partagé une photo. Vous, tu as déjà transféré. Est-ce que tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, on te paye sur Internet pour faire ça? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que pour liker une photo sur une page Facebook, tu es payé pour ça sur Internet? Tu le savais? Est-ce que tu sais que regarder la vidéo de quelqu'un sur Internet, on peut te payer pour ça? Est-ce que tu le savais? Commence à prendre le temps que tu prends sur Internet là pour faire le business de ça. Sache que tes 100 mégas, tu mets 500 de crédit. Tu mets peut-être que non, je vais moi 1 giga pour tout le mois à 500. Est-ce que tu ne sais pas que les 500 francs là peuvent te produire 10 000 francs? Les 500 francs là peuvent te produire 100 000 francs le mois juste parce que tu t'es assis sur ton téléphone et que tu as dit, hey, il y a même une plateforme là qu'on appelle Pico Walker là. Ici, il y a les petits jobs. Il y a les jobs qui sont plus de 200 jobs par jour. Tu peux même en faire 10. Tu te dis, ok, au lieu de perdre mon temps à liker toutes les photos, tout ce qui passe, aujourd'hui là, je vais gagner 0,01$, 0,07$. Dès que tu fais 10, tu as déjà fait 0,1$. Tu fais, en une journée, tu te dis, il faut que sur Internet, je gagne au moins 1$ par jour. Après, tu vas te dire, il faut que je gagne au moins 5$ par jour. C'est possible. Si tu n'as pas les moyens d'investir, parce qu'il y a beaucoup qui ont lâché, qui ont baissé les bras. Parce que non, ils se disent, j'ai pas de quoi investir. Mais tu peux te créer de quoi investir. Bien que ce soit lent, mais c'est, on dit toujours que 1 vaut mieux que 0. Arrêtons la paresse. C'est la paresse, la facilité. Il y a d'autres qui sont là. Ils sont carrément installés derrière leur téléphone juste pour arnaquer ceux-là qui travaillent. Donc, en fait, on travaille pour eux. Donc, le gars, il travaille son cerveau pour voler les autres. Arrêtons la facilité à le karma. Hein. Ouais. Donc, les amis, soyons vivaces. Ayons la niaque. Si tu as un rêve, donne-toi la force de pouvoir voir ce rêve se réaliser. Le Seigneur a dit qu'il va certainement te bénir. Mais ne t'a pas dit que c'est dans le sommeil qu'il va te bénir. Il n'a pas dit que si tu dors de minuit à minuit, c'est là où la bénédiction va tomber du ciel. Les anges vont descendre avec la main te les donner. Non. Lève-toi. Lis. Si tu n'aimes pas lire, regarde nos vidéos. Apprends. Instruis-toi. Il y a des gens qui posent souvent des questions. Je leur dis, moi, même quand je travaillais, notre patron, il te dit... Olga, Google c'est ton ami. En fait, c'est pas qu'il ne. C'était une bonne façon de te dire, cherche. La facilité n'est pas bon. On te donne un travail qu'on sait que non,
C'est facile. À coup d'œil, ça a l'air facile. Mais après, tu vas dire, mais monsieur, histoire même si c'est quoi, dis, mais attends un peu. Si je voulais te répondre, je n'allais pas te donner le travail là. Google, c'est ton ami. Et j'ai appris que Google, c'était mon ami. Donc avant de poser une question à quelqu'un, que je sais que je peux avoir la réponse sur Internet, je cours même d'abord sur Internet aller me renseigner que, hey, faut pas qu'en posant la question, je me rende compte que je suis un peu trop derrière là. Tu te renseignes. Hey, madame, l'histoire des crypto-monnaies là, mais vous pouvez même un peu m'expliquer, c'est même quoi l'histoire là? Briefez-moi un peu l'histoire là, l'affaire là, il veut bien comprendre. Si tu veux bien comprendre l'affaire là, viens à la formation. Mais ayez un minimum de base. Allez sur Google, tapez. Oh, j'entends parler du Bitcoin. Va sur Google, tape Bitcoin. Oh, j'entends parler de telle chose. Va, tape, qu'est-ce que c'est? Même, qu'est-ce que c'est que ceci pour les nuls? Pour que on t'explique ça en français basique. Mais comme tu n'aimes donc pas lire, lis même seulement le premier paragraphe pour comprendre. Ensuite, viens à la formation ou ensuite, attends les vidéos, on va t'expliquer. Mais informez-vous. Prenez le temps que vous perdez derrière les voilas. Derrière les photos, le querelle Congo, ça, partagez les vidéos non-sens, les photos sans valeur. Alors que vous pouvez partager les mêmes photos sans valeur. Quand je dis sans valeur, ce n'est pas forcément parce que l'information n'a pas de valeur. C'est juste pour dire, vous le faites gratuitement alors que vous pouvez prendre de votre temps pour faire la même chose que vous aimez faire. Parce qu'en fait, c'est faire ce que vous aimez faire, mais en étant payé. C'est possible. C'est possible. Il y a des réseaux sociaux qui vous payent pour liker. Donc, vous envoyez les photos, vous likez, tu likes ma page, je like pour toi, ça te donne les cœurs. Ça te donne les points. Et ces points-là, tu peux les convertir en dollars et donc en argent. Vous le saviez, ça? Voilà. Donc, j'espère que après avoir écouté cette vidéo-là, cette vidéo ici, vraiment, je t'invite, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, ma mère, mon grand-père et tout, donne-toi la chance de voir tes rêves se réaliser. Parce que je te dis encore aujourd'hui que tes rêves peuvent se réaliser. Grâce à Internet, tu as une ouverture, tu as la possibilité de rêver, tu as le droit de rêver. Et je le souhaite pour ta vie aussi, comme ça l'a été pour moi, comme ça l'est pour moi aujourd'hui. Je voudrais que tous nous soyons aujourd'hui comme moi ou comme ceux-là qui sont plus que moi, mais au moins qu'on soit indépendant financièrement. Je ne dirais pas riche, parce que le mot richesse fait peur aux gens. Quand on dit riche en Afrique, gars, on voit la sorcellerie. On voit la sorcellerie, oh. Les gens diront, oh, richesse, richesse, ça rime à sorcier, ça rime à femme là, ça rime, même pas femme là, ça rime à secte, ça rime à de l'argent impur, ici en Afrique. Donc quand tu es riche ici, là, on dit que tu as trempé. Il n'y a pas de problème, vous savez, mais il y a longtemps, moi, on a dit que j'ai trempé, là, je veux dire que je suis dedans comme ça, là, pia, pieds et mains liés dans le sang de Jésus, trempé, immergé, même la tête ne se voit pas. Je sors comme ça, je respire, j'ancre encore dedans. Voilà. Donc, je vous invite vraiment. Je vais vous motiver. Je vais te motiver ce matin. Même toi là qui étais déjà découragé parce que tu as trop perdu. Dis-toi que tu as certainement perdu parce que tu n'as pas pris le temps de te faire former. Tu n'as pas pris le temps de chercher. Tu n'as pas pris le temps d'apprendre. Mais aujourd'hui là, relève-toi. Nous-mêmes, on est tombés. Moi là, si je vous dis combien on m'a déjà volé sur Internet, donc vous allez me demander comment j'ai fait pour arriver là. Mais j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu plus de 30 000 dollars sur Internet. J'ai déjà perdu les millions ayant investi en espèces dans rien qui n'a à voir avec l'Internet. J'ai fait le restaurant. J'ai fait la ferme. J'ai fait le shopping. Je dis, ça, c'est des boulots passifs que je fais en dehors de mon travail. Parce que je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieur réseau télécom. Mais comme je trouvais que ce n'est pas suffisant, j'avais besoin des revenus passifs. J'ai fait beaucoup de choses pour avoir des revenus passifs. Donc, sachez qu'on perd tous. Mais ce n'est pas parce que tu tombes que tu vas rester couché là où tu es tombé. Regarde juste ce qui t'a fait tomber et dis-toi que devant, tu vas voir ça devant. La prochaine fois, tu vas voir ça venir et tu vas esquiver. Ne reste pas couché. Ne reste pas désespéré. Il y a encore de l'espoir pour toi. Parce qu'il y en a pour moi, donc il y en a pour toi. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Merci encore parce que je sais que tu vas te donner une chance à toi-même de te voir réussir aussi. Et je te le souhaite. Et j'espère qu'après cela, tu pourras venir témoigner sur une de mes vidéos pour me dire, Madame Olga, ton conseil m'a aidé.
Donc voilà, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Et n'oublie pas, like, abonne-toi.